quand il fait des ratures, c'est que déjà il sait faire quelque chose. Un enfant qui vole des confitures, c'est un gosse qui a besoin de glucose. Un enfant qui a brisé une soucoupe, ça vous prouve qu'il sait tenir un marteau. Un enfant qui ne mange pas sa soupe, c'est son droit s'il préfère les gâteaux. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant, c'est beau, c'est merveilleux, c'est gentil et c'est si naturel. Quand il a des nouilles dans les cheveux, c'est qu'il a descendu la poubelle. Un enfant qui sait pas l'alphabet, c'est un gosse qui a besoin de vacances. Un enfant qui avale un porte-monnaie, c'est parce qu'il fait une crise de croissance. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant qui chope la varicelle, c'est à cause du triangle isocèle. Un enfant qui n'aime pas les radis, en voudra si ça lui est interdit. Un enfant qui met le coude sur la table, ça vaut mieux que dans l'œil de sa maman. Un enfant qui a des notes minables, c'est parce qu'il s'est trompé en copiant. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. La la la. Merci Pierre Perret, à tout à l'heure, reste avec tes...